Et pour savoir qui est le lauréat, je m'adresse à Marie-Pierre Morin. Bonsoir. Alors, premièrement, j'aimerais dire que c'est un immense honneur pour moi de présenter le Valois du meilleur acteur, puisque depuis que je suis toute petite, je voue une admiration infinie aux acteurs qui ont cette capacité de nous faire vivre des émotions, de nous faire voyager et rêver. Selon un grand metteur en scène québécois, René-Richard Cyr, l'acteur se doit d'être disponible. Disponible de corps, disponible de cœur et disponible d'esprit. Mais il doit d'abord et avant tout avoir un amour profond pour les êtres humains. Avant de décerner le prix, le jury aimerait apporter une mention spéciale à un acteur qui nous a vraiment impressionnés. On voudrait dire un bravo particulier à Janice Bouziani pour sa prestation dont tu mérites un amour. Bravo. Et maintenant, c'est un immense bonheur de remettre le Valois à un acteur qui nous a conquis à l'unanimité, deux fois plutôt qu'une, Anthony Bajon. Anthony Bajon, comédien du film Au nom de la terre que l'on a vu également dans Tu mérites un amour. La joie. Bonsoir. C'est un immense honneur d'être là. Ouais, on est d'accord pour la mention à Janice. Vraiment. Vraiment. Il serait très content. On va lui envoyer un SMS direct après. Merci. Forcément, je pense à Guillaume Canet, parce que j'ai le prix pour Nom de la Terre et c'est lui qui porte le film, c'est pas moi. Et ça, il n'y a pas de débat. Mais voilà, je remercie particulièrement le jury d'avoir pensé que je pouvais endosser le rôle du lauréat. Merci infiniment. C'est un grand honneur. Merci à Dominique Bestner et à Marie-France Briard de nous avoir reçus. Et voilà, je remercie mes deux réalisateurs et réalisatrices, Édouard Bergeon et Afsia Herzi. C'était un très très grand honneur de jouer sous la direction d'Afsia. C'est pour moi la belle histoire de ce festival et c'est la naissance d'une très très grande réalisatrice. Merci à tous. Merci. C'était la 12e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Bonne soirée et vive le Festival du film francophone d'Angoulême.